Alors évidemment, comme mon personnage principal, mon narrateur, est un écrivain, on va dire, oh ben ça, c'est Didier Van Cauwelaert qui fait un personnage autobiographique. Pas vraiment, il suffit de lire les premières phrases du livre pour se rendre compte qu'il y a une grande distance entre lui et moi. Ce qui m'intéresse davantage, je préfère mettre des petites choses de moi dans quelqu'un de très différent, dans l'itinéraire, dans les motivations, les origines, le physique, le comportement. Et puis en même temps, je cannibalise ma vie, je prends des petites choses qui vont arriver dans le destin de Quincy, notamment ce premier prix littéraire qu'il reçoit, ce prix donné par les détenus d'une maison d'arrêt. Ça, c'est arrivé dans ma vie, c'est arrivé deux fois d'ailleurs. Et ce choc justement de l'auteur qui arrive en prison pour rencontrer des lecteurs, qui va être interviewé au milieu des grilles et des gardiens dans une ambiance assez tendue, où tout à coup, l'imaginaire, les phrases, le style, tout ça va prendre une dimension terrible parce que c'est relayé par quelqu'un qui est en prison, qui a aimé le livre, qui veut le faire partager à son auditoire de détenus comme lui. Et c'est quelque chose qui a profondément bouleversé à plusieurs reprises ma vie d'auteur, mon rapport avec les lecteurs et plus généralement le rapport entre l'homme libre que moi j'allais redevenir en sortant de la prison et puis l'homme en prison, les hommes en prison qui allaient le rester et qui allaient, eux, garder mon livre. Et moi, je gardais le souvenir de ce moment partagé. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais mis en scène encore dans mes livres et c'est devenu un moment important comme ce moment d'une première dédicace dans une librairie, ce que connaissent beaucoup de jeunes auteurs, une dédicace où ne vient personne. En plus, là, ça se passe au fond d'une vallée, d'une montagne, sous une tempête de neige, avec des tas de problèmes qui font que vraiment personne ne viendra, sauf y a la vieille libraire et puis l'assistante de la libraire, qui est la petite Pauline. Et quand le soir, après le moment où l'écrivain aurait dû reprendre le train pour rentrer à Paris, il n'y a plus de train à cause de la neige, tous les hôtels sont complets, et la seule solution, c'est de passer la nuit dans la librairie. Et c'est ainsi que ce jeune auteur va passer la nuit de sa vie sur un lit de camp fourni par la libraire, et derrière une cloison d'encyclopédie que la libraire a montée par pudeur, dirons-nous. Il y a Pauline qui, elle aussi, doit dormir, elle est sur un matelas pneumatique. Et il va se passer dans cette nuit fantomatique de cette librairie devenue chambre à coucher pour deux exilés, deux personnes coincées par la neige. Et il va se passer ce qu'on peut imaginer. Nuit d'amour inoubliable au milieu des livres, dans une librairie déserte, tout en faisant doucement pour ne pas réveiller la libraire et son compagnon. Et ce moment d'union entre la passion des livres et la passion physique, dans un moment qui au début apparaissait comme un échec, comme quelque chose de consternant, voilà ces cadeaux que vous fait la vie dans les moments où vous êtes au ras du sol, ou vraiment au fond du gouffre, ça a un prix inappréciable. Et j'ai connu l'équivalent de cette scène-là dans ma vie, et la remettre en scène en y mettant les personnages de fiction était un de ces moments importants. Vous avez vraiment l'impression, illusoire peut-être, mais elle n'en est que plus appréciable, vous avez l'impression que vous êtes le maître du temps, c'est-à-dire que ce qui s'est passé c'était hier, et en plus cette actualité que vous donnez à d'autres personnes à partir de votre propre expérience, c'est une espèce de double cadeau que vous faites à vous-même et que vous espérez faire à vos lecteurs.